Je mets le remboursier. Wesh, j'espère que ça va. En tout cas, ça va super. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui, les potes. Comme vous pouvez le voir, je suis en keyboard cam. Enfin voilà, vous voyez mon clavier. Comme vous pouvez le voir, j'ai un Razer Black Widow Chroma. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Sauf que j'ai pas toujours eu ce clavier. À un moment, j'ai eu ce clavier, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc c'est un clavier Amazon à 5€, donc vraiment de marque Amazon, c'est-à-dire que Amazon a fabriqué ce clavier et au moment où il était disponible, je l'ai acheté, donc ça date d'il y a quand même pas mal de temps. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher ce clavier et on va directement brancher celui-là, que vous pouvez voir juste ici. Ok, du coup, tout le monde, c'est bon, il est installé. Comme vous vous en doutez, je pense, voilà le confort, c'est pas un truc de ouf, c'est pas mécanique, il n'y a pas de rétroéclairage, il n'y a pas de petits, comment ça s'appelle, de petits appuis derrière pour faire tenir le clavier un petit peu plus en hauteur. Voilà, si on dit comme ça, pour pouvoir avoir un meilleur angle d'attaque sur les touches. Et il est très sale, hein. Il est très sale, je sais pas si vous allez pouvoir voir. En tout cas, il est très très sale, hein, parce que je l'avais utilisé il y a pas mal de temps. Enfin, il y a pas mal d'années quand même, je pense, 2 ans, facile. Ok, du coup, les mecs, on est parti directement en solo sur Fortnite avec le clavier Amazon à 5€, le fameux. On va essayer de faire une bonne petite game, hein, voilà, pas besoin d'un clavier à 200 balles comme le Razer que j'ai derrière moi. On va essayer de faire avec celui-là. Et je pense que ça peut passer. En vrai, je pense que ça peut faire une bonne petite game sympa. Même si j'ai pas trop l'habitude d'utiliser ce clavier. Ok, du coup, je vais descendre là. Ok, on a du shield. On va le prendre. Tac. Il y a pas mal de gens avec elle, c'est cool. Ok, il y a un mec à spawn au-dessus. Ok, toi t'es mort. Y'a rien ici. Y'a pas à avoir grand monde de ce côté là. Ils ont tous l'air d'être allés au magasin. Bon, on va y aller, on va les rejoindre. On va les rejoindre simplement. Ok, let's go. Y'a un mec sur ma droite. T'as tiré d'où? T'es mort. Alors, maintenant que je pars de la gauche, ça tire à gauche. C'est grave, hein. Y'a des mecs à l'intérieur. Oh merde. Ok. J'avais plus de construit, c'était un petit peu chaud. Bon, on s'en est sorti. Bon, il avait pas l'air d'avoir un stuff de ouf en vrai. Je vais juste prendre ça. Il y a un mec à terre. Il était perdu. Pas grave, ça fait des kills faciles. Hein. Ok, on est déjà à 5 kills, ok. Normalement, il y a encore des mecs en face là. Je vais aller chercher. Let's go. Je recharge les armes quand même. Ok, il y a un mec là. Ok, mort. Il y a un autre mec là-bas, je l'ai vu. Je l'ai vu là derrière les construits. Je vais juste prendre l'air bleu. La carabine. Let's go. Bon, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est monté sur le fort de poche. En fait, j'ai cru avoir vu un mec, mais en fait, je sais même pas s'il y a un mec. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il a bougé aussi vite, wesh. Ah ouais, c'est Speedy Gonzalez, ce mec. On va monter là. Ouais, gros, tu joues à quoi, frère? Tu sais très bien, tu pourras jamais me tuer comme ça et tu le fais, genre. Ok, il est descendu. Wesh. J'ai cru que ma balle de pompe allait le tuer. Du coup, j'ai arrêté de tirer. Mais en fait, non, il est pas mort. Ok, nice. Nice, nice, nice. On ressort avec combien? 7 kills, bon. C'est pas mal. En vrai, 7 kills. En vrai. C'est pas mal. On va aller vers Salty parce que je pense qu'il y a aussi des mecs Salty. Enfin, du moins, j'espère. Parce que nous, on veut tuer des gens, hein, avant tout. J'ai pas de tremplin. Ok, je ressors avec un feu de camp et 3 pièges. Après, l'avantage du clavier, c'est qu'en vrai, il fait pas de bruit. Il fait pas du tout de bruit. Et pour le micro, enfin, pour la vidéo, c'est pas si mal. Hein. Pour la vidéo, c'est pas si mal. Parce que souvent, le Razer Black Widow que j'utilisais, il faisait pas mal de bruit dans les vidéos et vous l'entendiez quoi. Ok, le mec il a remarqué que j'étais là. Bien joué à toi. Je vais me cacher avec l'arme. Essaye d'utiliser toujours
des petits arbres et tout pour vous cacher quand vous approchez vers un mec. Là par exemple, vous voyez, il peut pas me tirer dessus. Voilà, il est obligé de casser l'arbre pour pouvoir me voir. Et bah là, je suis déjà au corps à corps, tu vois. J'ai plus qu'à sauter, faire ça. Et tu vois, il est déjà dans le mal. Après, tu fais ça. Et là, il meurt normalement. Quoi? Le gros? Ouais, mec. What? Bonjour, comment ça va? Quoi? Attends, quoi? Les pièges ne marchent pas quand t'es sur un meuble. Ah bah, je viens d'apprendre un truc. Ok, ok. Je savais pas. D'accord, d'accord. Intéressant. Intéressant, intéressant. Bon, moi je le saurai pour la prochaine fois. Mais ah d'accord. Je savais pas du tout. Je me suis dit, wesh, il est passé où? Moi au début je croyais qu'il était allé en haut, mais c'était pas possible. Je croyais qu'il était allé à gauche, mais c'était pas possible non plus, parce que sinon je l'aurais vu passer. Mais d'accord. Bon, c'est pas ouf en vrai ça. Faudrait que les pièges ils marchent sur les meubles. Parce que sinon le mec il a juste à sauter sur un meuble comme le mec a fait là. Et il meurt pas quoi. Ok, là-bas y'a un mec. Ok, on lui a mis une petite pichenette. On lui a mis une petite pichenette sympatoche. La pichenette était sympatoche. On va s'approcher. Bon, il a peur d'être mauvais. En plus il y a un snipe. La balle en vrai. Je suis un chien. Et tu veux te remontrer, regarde. Maintenant je vais sortir devant, regarde. C'est bon, j'arrive, bon, j'arrive. Je crois que je dois être en train de te faire rager là. J'arrive, t'inquiète. Ouh, bien tenté le petit pré-shot là. Malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui que ça passera. Il a bugué. Le mec a bugué là. Il savait pas quoi faire. Il y a le colis ici. Oh, ça tire derrière moi. J'y vais. On est à 9 kills. Bon. Soit, c'est pas trop mal. On va aller là-bas. Apparemment, il y a un individu qui serait en train de tirer avec son arme. Oh, il y a deux individus. Étant donné que on tire pas dans le vide d'habitude. Il y a effectivement deux individus qui sont actuellement en train de mener une bataille à laquelle je viens m'ajouter comme une chienne. Hein, voilà, voilà, comme ceci. Hop. Voilà, je m'ajoute comme une chienne. C'est clairement le coup de la chienne qui est proposé juste ici. Voilà. C'est la chienne. Hein. Je vous présente la petite chiennasse. C'est moi. J'ai cru entendre quelqu'un. Après, peut-être que je suis juste malade. On va mettre les deux feux de camp pour aller plus vite. On va boire les petites potions. On est bien là. Là normalement on est bien. On skill. Voilà, la zone par contre est un peu loin. On va devoir courir. Ça va partir sur un marathon. Ça va partir sur un petit marathon les potes. Je vous le cache pas là que mes jambes vont souffrir. La faille en face a été prise. En vrai je pense 2 minutes. Bon, en vrai la zone je vais plus vite qu'elle. Parce que comme un carré prend 45 secondes à parcourir, ça fait 45 minutes 30. Attendez, 1 minute 30, est-ce que je dis pas de la merde? Non, je dis pas de la merde, ça va. Ouais, je dis pas de la merde, c'est bon. 1 minute 30 du coup pour aller jusque là, et la zone prend... Ah, regardez, la zone en fait prend 1 minute 30 aussi, alors que je suis déjà là. Du coup c'est bon, je pourrais sortir, je ne prendrai aucun dégât. Il n'y a pas de faille. Ils viennent de toutes les utiliser en fait, je crois. Ceux qui font ça en matchmaking, qui utilisent toutes les failles vraiment, tu sais que l'individu en lui-même, il est pas cool. C'est pas le plus gentil des individus quoi. En matériaux, je suis pas mal. En termes de matériaux, je suis pas mal du tout. Ok, là-bas ça tire. Ah, là ça tire. Voilà, y'a un mec. Ça dégage. Ah, qui d'autre? Lui, il a clairement pris cher. Il y a un mec derrière lui. Il l'a pas vu, hein, le mec derrière lui. Si ça touche, en vrai.
Moi, je pense pas que ça a touché, hein, mais bon. Oula. Comme toi, toi. Bien tenté. On va mettre du shield. Je vais essayer de la jouer safe. Il a mis un tremplin, ok. On va utiliser son tremplin pour se barrer. Essayer de reprendre position. Il l'a mis où? Ok, il l'a mis là. Ok. Ok, nice. Oh, c'est chaud là. Hein. C'est un petit peu chaud là. Il va tout casser, je pense. Du coup, je descends avant qu'il casse tout. Il me semble que le mec il avait du stuff intéressant. C'est pour ça que je voulais y retourner. Là, en vrai, je pense que je l'ai dissuadé un peu de casser parce que je lui ai montré que j'étais en bas. Pas du tout. Le mec s'en bat les couilles. Voilà. C'est ce que tu mérites. Tu mérites rien de plus gentil, toi. Espèce de méchant garçon. Grave méchant, lui, hein. Ouais, ça dégage. Toi, tu bouges de là. Je sais pas ce que tu veux, gros. Je suis bien en construction ou pas? En construction, je suis bien. Je suis bien en tout, là. Mais c'est le bonheur, là, les amis. 14 kills. Une petite solo à 14 kills là. Avec le clavier Amazon à 5€ et. C'est pas le clavier de la victoire ça? Meilleur clavier Amazon, hein. Vraiment. Malheureusement il est plus disponible les mecs. C'est une édition limitée. Vous pouvez plus l'avoir. Je sais que vous ragez là mais bon. Je suis désolé les mecs, hein. C'est la vie. Vous pouvez plus l'avoir. Je suis allé check hier. S'il était encore disponible. J'ai vu. Produit hors stock ou un truc comme ça sur Amazon. J'avais trop le seum. Mais il est sur Amazon.com. Il est sur le Amazon. Etats-Unis quoi. Du coup si vous habitez aux Etats-Unis, même si je pense très peu de mes abonnés habitent aux Etats-Unis, vous pouvez l'avoir. Ou bien au Canada aussi je crois il est. Je suis pas sûr. Il y a un mec là hein. Ah il y avait bien un mec hein. Je suis pas fou. Je ne suis pas fou quand même. Pas déjà. Ok, on va prendre les petites potions, mais la faute quoi, 16 kills. Est-ce qu'on pourrait pas faire 20 kills? Est-ce qu'on pourrait pas faire 20 kills? En vrai, je vais essayer d'aller vite le rush les derniers. Mais 20 kills serait ouf, hein. Avec le clavier Amazon là, 20 kills serait clairement ouf. Vas-y, je les rush. Je mets le rebondisseur. Oh, let's go! Sa tête, je la voyais un tout petit peu. C'était minime. C'était tout petit. Un petit peu trop haut. Ah, oh, j'ai le seum. J'ai tiré un petit peu trop haut pour celui-là. Par contre, sa tête là, il l'a mangé. Hein. Et montre-toi, gros. Montre-toi, gros. Allez. Non, sérieux? Oh, c'était sur lui ça. Donc, let's go. Ah, je l'ai hit, mais ça. C'est pas une tête. Ça me touche pas là. Ah, bah ça me touche si. Ça me touche. Eh, c'est bon, oh, eh. Je suis en face de toi, gros. Je suis en face de toi, t'es là, tu bois tes potions. Respecte-moi un peu, gros. Je sais pas s'il s'est fait le quoi, mais en vrai, s'il voulait vraiment boire sa potion, il est malade, hein. Il a voulu me manquer de respect là. Il était en plein open field, il avait aucune construit, il y avait rien qui le protégeait. Si je buvais ma potion. En vrai, qu'est-ce qui m'en empêche? Bon lui c'est un ouf lui par contre. Oula oula. Il a peur d'être mauvais en vrai. Je vais faire gaffe. Parce que perdre sur ça, ça me ferait chier. Perdre sur ce petit move là, ça me ferait vraiment chier.
Ouais, la lance-roquette. Je pensais qu'il allait se montrer. Je pensais qu'il allait se montrer en fait. Oh, allez, montre-toi, gros. T'es pas fun. Le mec potentiellement est derrière moi, du coup je fais un petit peu gaffe, hein. Eh, ok, eh, tu t'es pris pour James Bond. Eh, vous avez vu ou pas le truc qu'il a fait? Bon, en vrai, il commence à me faire chier. En vrai, il commence à me faire chier, du coup je vais le push. C'était pas loin ça, hein. Tu joues avec une bonne arme quand même, hein. Est-ce qu'il est le bonhomme, hein? Putain, il joue avec son lance-roquette là. Il joue qu'à ça. Il essaie même pas de faire un fight. Il a tiré qu'à ça. Genre, la plupart de ses balles, c'est le lance-roquette. C'est limite s'il a pas utilisé toutes ses munitions là sur moi. Hein. Ça, c'est l'autre mec, ça. Ouais, ça, c'est l'autre Bambi, ça. Wesh! Il s'acharne sur moi là, hein. Laissez-moi tranquille, wesh. Nice, je l'ai eu. Let's go. Il a le seum. Là, il a grave le seum, hein. Là, il a envie de me tuer. Il m'a fait peur. Je vous jure qu'il m'a fait peur. Si vraiment je serais mort à cause de son lance-roquette, j'aurais pété un câble. C'est la pire arme, ça. Hein. Il a joué qu'à cette arme. Il a joué qu'avec ça. Il a littéralement joué qu'avec le lance-roquette. Sérieux. Genre, c'est du jamais vu. Après, à la fin, il essaie de prendre le pompe, mais c'était trop tard, mec. C'était trop tard. Fallait pas jouer au lance-roquette, il fallait jouer au pompe. En tout cas, 20 kills. 20 kills en solo. Avec le clavier Amazon. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a écrit Amazon ici. En tout cas, il y a le logo d'Amazon là ici, il y a écrit Amazon Basics. Du coup, voilà les potes, j'espère que cette petite game vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre là, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Du coup, voilà, je vous laisse, c'était Nono. Ciao.